Comment vous dire qu'il est impossible de passer inaperçu avec un pantalon comme ça? Like, seriously? Hi guys, welcome back to my channel. Bienvenue aux nouveaux et aux anciens, je suis ravie et très 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 excitée de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Je sais que tu vas bien parce que ici sur ma chaîne YouTube, tout le monde va toujours bien. Et si ça ne va pas, ne t'en fais pas, je t'en supplie, je t'assure que ça va aller. Alors, comme je vous l'avais promis pour Halloween, je vous ferai une petite vidéo. Donc moi de base, je ne fête absolument pas Halloween. Pour certaines raisons, mais je dois quand même avouer. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que c'est en fait que Halloween, c'est où? Vous fêtez quoi? Genre c'est les morts? On fête les morts Halloween, c'est ça? Enfin, je veux savoir qu'est-ce que... Bref, donc du coup, je dois quand même avouer que la seule chose que je trouve super méga cool à Halloween, au-delà du fait de demander des bonbons aux portes, etc., etc., les déguisements. De pouvoir se déguiser en pompier, en gendarme, en infirmière, en vampire. En fait, il n'y a que ça que je trouve super méga cool, parce que moi, comme vous le savez, j'aime beaucoup changer de style, de perruque, etc., etc. Donc du coup, en fait, Halloween, sur ce côté-là, ça me ressemble quand même pas mal, tu vois. Et donc du coup, je me suis dit, allez, je vais commander des tenues what the... sur Fashion Nova. Donc quand je vous dis what the c'est vraiment genre des tenues vraiment que je mettrais pas dehors. Donc là je vais me lâcher dans cette vidéo là, mais je sortirai jamais avec, tu vois. Et ma mère devra noter chacune de ces tenues là sur 10. Donc du coup elle a sa petite ardoise entre les mains. Vous aussi en commentaire saisissez votre clavier, n'hésitez pas aussi à les noter, à me dire ce que vous en avez pensé. Mais clairement, si ne vous en faites pas, hein, enfin vous en faites pas, je fais ce que je veux, mais je ne sortirai jamais avec des tenues aussi vulgaires, aussi provocatrices. Mais là tu connais, on est sur YouTube, dans mon monde. Donc du coup bah voilà, je me permets de faire un peu ce que je veux. Juste avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, mais qu'est-ce que tu attends? Sister, brother, on se prend pas la tête ici. Tink, 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 je t'invite à le faire, ainsi que de cliquer sur la cloche de notification, bah, comme ça t'es au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. À liker cette vidéo si tu veux plus de vidéos de ce style-là, genre que quelqu'un note mes tenues, si tu veux en voir plus, et bah... Ah oui, vous m'avez aussi grave posé la question, donc avant que mes commentaires soient remplis de d'où vient ta perruque. Elle vient de chez Shaina Last Wig, et clairement les filles, je vous assure, c'est la meilleure perruque que j'ai pu recevoir. Moi je kiffe les perruques, je kiffe changer de tête, tu vois, et clairement celle-là c'est de la bombe. Donc au niveau de la qualité, de la densité, de la couleur, de la lace frontale, tout est impeccable, genre j'aime de ouf. Quand je l'ai reçue, elle était déjà toute belle, genre je kiffe, je peux faire grave des coupes avec, un chignon haut et tout, une queue de cheval et tout. Et ce qui est bien en fait, c'est que ça va à toutes les carnations. Donc que tu sois une blanche, une renoie, dark skin, une brown skin, une light skin, et bah ça tirait bien, tu vois. Du coup, si comme moi tu es aussi séduite par cette magnifique perruque, cette magnifique couleur, ces magnifiques boucles, et bah je te mets tous les liens en barre d'infos, et je vais aussi vraiment essayer de te trouver un code promo histoire que tu la payes un peu moins cher. J'ai pas oublié, hein, jamais, un peu de parfum comme dans chaque début de vidéo. Vous sentez? Ça sent bon, hein? Ok, let's get it to it. Ok, la Sun Squad, première tenue. Maman, t'es prête? Mm-hmm. Attends, ferme les yeux, ferme les yeux, hein, ferme les yeux. D'abord, je vais montrer la Sun Squad, ne triche pas, hein. Ta 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 ta. Et c'est trop choupinou! C'est quoi ça? Arrête! Attends, le derrière, c'est comment? Non, mais en fait, il y a un problème au niveau du derrière, par contre, hein. Genre c'est sauté bizarre et tout, il y a un problème. Mais bon, je sais pas pourquoi, mais de toute façon je sortirai pas comme ça. Bref, mais juge le devant et tout. En fait j'avais des ongles tellement longs par contre que, je sais pas si vous allez voir, ça a du mal à bien rentrer, parce que j'ai des ongles qui sont trop longs. Mais non, avouez c'est chou. Non arrêtez, avouez c'est mignon. C'est mignon. C'est mignon, on est d'accord. C'est mignon. Sur 10 tu mets combien sur 10? Vous aussi votez en commentaire, hein. 8. 8? Waouh, ouais. Wow, c'est grave une bonne note, dis donc. 8? Ok. C'est sexy quoi. Hein. Ok. Non, ça va. Ouais, hein. Ok. Tu vas péter, hein. Bon, maman, mm-hmm. Prochaine tenue. Tenue numéro 2. Mm-hmm. Alors, honnêtement, la Sun Squad, je ne peux pas vous montrer celle-là. Elle est juste trop vulgaire. C'est pas possible. C'est juste pas. Ferme encore les yeux? Oui, ferme les yeux. C'est juste pas possible, je peux pas vous la montrer, c'est du n'importe quoi en fait. Je sais pas qui peut sortir comme ça. Ouais, ouvre. Enlève ça ma fille. Tu n'iras pas au paradis. C'est incroyable, t'as vu? Enlève ça.
Ah, ça frôle là. Enlève ça. Non, mais là, c'est trop. En fait, je me demande, mais qui peut. Tu n'iras pas au paradis. Le bon Dieu va te refuser. Mais là, en fait, là, je me dis, mais qui peut sortir habillé comme ça? Non, mais les gens vont sortir, ils peuvent pas sortir. Même qui peut sortir habillé comme ça? Pour faire des enfin, films, voilà. Même si on dit les Américains, ils sont fous, là, c'est trop, là. C'est trop, c'est juste too much. Non, même si moi je dis que je suis folle, mais ma folie n'est pas arrivée jusque là. Tenue suivante. C'est clairement une petite tenue de policière. Est-ce qu'il y a écrit police? Ouais. J'ai pas ouvert les yeux. Non. Donc là, c'est une tenue de policière. Ma mère, elle est fermée là. Mm-hmm. Donc, avec une petite menotte. Mm-hmm. Ça va, c'est assez. Ah, tu regardes? Ok. Non. Ok, regarde. 3, 2, 1, ouais. Waouh. Ça, c'est mon goût. In your hello, hello. Ouh là là. In your hello, oh, hello. J'aime beaucoup. In your hello. Oh, pardon, c'est pas à ce niveau-là. Je le maîtrise bien. Il me regarde là. Les Lawson Squad, ne vous étonnez pas si vous me voyez dans la rue avec. Pas comme ça, hein, avec un pantalon. Et non, mais franchement, j'aime beaucoup. C'est vrai. On dirait un body, quoi. Parfait. Non, franchement, j'aime beaucoup. Les menottes, ça sert à quoi? À te menotter. Non, c'est ça. Donc, du coup, bah, sur 10, tu mets combien sur 10? 10. 10? Ouais, parce que j'aime 10 bien. Sur 10? Ouais, 10. Oh, par contre, moi, si je serais policière, eh ben, je ferais pas de bavure policière. Je tuerais pas les gens quand je les arrête. Voilà. Qui tue qui? Mais la police française, là, elle commence à tuer les jeunes de quartier pour rien, là. Alors, prochaine tenue, il y a celle-là. Vous l'avez déjà vue dans ma vidéo précédente. Maman, qu'est-ce que tu en penses? J'aime pas du tout. T'aimes pas? Mm-mm. Ah bon? Je vais même pas regarder. Tu peux pas regarder? On dirait une. En fait, c'est une alien. Alien. Moi, je trouve que ça va. Hein. Celle-là, la Sun Squad sur 10, vous mettez combien? Moi, je trouve que ça va. Non, ça va pas? Sur 10, note? 2. Et vous, la Sun Squad, 2 sur 10, ça? Non, arrête, maman. Tu t'es pas éduqué comme ça. Hein. Tu m'as pas éduqué comme ça? Mm-mm, c'est vrai. Un shérif ou quoi? Je sais plus où elle a mis ça. Non, mais on attache ça au cou. Ah oui, voilà, c'est au cou. Enlève-moi les bêtises là, c'est nul là. C'est quoi? T'aimes ça? T'aimes pas ça? Oh, c'est la vache, c'est le carreau du bébé. Imaginons que je l'ai attaché. Hein. Oh, enlève-moi les bêtises. T'aimes pas? Oh non, j'aime pas. Moi j'aime bien. Oh, deux sur 10? Mmh, on perd pas le temps. Et vous, la Sun Squad, vous mettez combien cette tenue? Attends, tu mets ça sur la tête, pourquoi tu vas prier? Non, mais je sais pas. Y'a quand même un vibe là. Quoi? Y a quand même un délire là. Avec des grosses bottes. Des bottes de la même couleur que ma couleur de peau. Tu vas aller où avec tu vois? Mais une soirée Halloween. Oui. Les gens vont te fermer la porte au nez. Hein. Je suis trop charismatique. Oui. Ok, c'est bon. J'arrête de vous faire mal aux yeux avec des tenues aussi provocantes les unes que les autres. Mais en commentaire quand même, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je voulais vraiment quand même une fois dans ma vie essayer des tenues comme ça parce que, enfin, je sais très bien que je n'irai jamais dehors avec ça, tu vois. Mais je veux quand même voir à quoi est-ce que je ressemblerais dans une tenue comme ça. En commentaire, dites-moi, est-ce que vous pourriez sortir avec des tenues aussi provocantes comme ça? Parce que j'imagine que si Fashion Nova les a créées, c'est parce que bah, y a des gens qui peuvent se permettre de sortir comme ça. Je suis assez curieuse quand même de savoir, est-ce que parmi mes abonnés, il y a des gens qui pourraient, je ne juge pas, hein, mais qui pourraient quand même avoir le courage, le culot de sortir avec des tenues aussi dénudées comme ça. Toi qui me regardes, tu peux le faire? Je ne juge pas, hein, mais franchement, si tu peux le faire... Sinon, ma prochaine vidéo, comme promis, sera une mise en situation, une mise en scène de comment est-ce que j'arrive à vivre avec des ongles aussi longs. Oh my god, tout le temps dans mes commentaires, c'est comment tu fais ceci, comment tu fais cela, comment tu fais la vaisselle, comment tu fais le ménage, comment tu fais pour te laver, comment tu fais pour ramasser une pièce par terre, comment tu fais cette... Oh, lâchez-moi en fait, lâchez-moi, lâchez ma veste. En vrai de vrai, c'est qui les porte les longs ongles? C'est moi ou c'est vous, tu vois? Donc bref, je vais faire une vidéo pour répondre à toutes ces questions-là. Donc d'ailleurs, posez-les-moi sur Instagram. Donc mon Instagram, c'est Lawson Penola. Et mon Snapchat, c'est Penola228229. Tous les liens sont en barre d'infos, donc ajoutez-moi. J'ai hâte de faire cette vidéo-là pour que vous puissiez lâcher ma veste. Comme ça, dès que quelqu'un me dit, Penola, comment ceci, Penola, comme ça, bam, j'envoie le lien de la vidéo direct et puis j'arrête de... De toute façon, je répondais même pas de base, mais comme ça, là, au moins là, il y aura une réponse. Ah, je vous remets également le lien de cette magnifique perruque qui est juste sensationnelle. Regardez-moi ces couleurs. Oh, regardez-moi ce dégradé, comment il est beau. Regardez, c'est pas magnifique ça? À part ça, et ben on se fait de très 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 gros bisous et on se dit bah voilà, dans 2 jours pour la vidéo sur mes longs ongles. Bisous, moi.